Bonjour YouTube. Oh, super. Bonjour Allez, YouTube. bonjour, comment ça va? Bon, alors Nickel. on est quatre, on est beau, on est frais, on est dispo. C'est parti. Alors, chapeau, chapeau, vas-y. Allez, ciao. Chapeau, le maître du portable. Non, Ah, c'était c'est J16 ça plutôt. J7. C'est J7, le maître du J16 portable. qui était Mais le chapeau, il y a maître du aussi un portable, ouais. portable, je crois, aujourd'hui. Je ne sais pas. Attends, je vais vérifier. Qu'est-ce que c'est que ça, chapeau? Ah, c'est un. Ah. Je l'ai, chapeau. Bien joué. Du coup, il doit être sur Je téléphone veux parce qu'il a pris m'arrêter. du marron. Non, c'est pas trop bonne. C'est pas trop bonne, c'est trop bonne. Oh, je l'ai déjà eu, j'ai pas eu. Eh ben tiens, allez hop. Anecdote, au fait, brutal, le mec que j'ai banni chez toi il y a 2 jours et qui me parlait en MP. Le mec... Hein? T'as banni un mec chez moi? Oui, tu m'as demandé de le bannir, un mec qui avait spam des liens chez Ah toi. ouais, c'était un Et je bot? l'ai. Non, c'était pas un bot, c'était Ah une bon? personne. Oui, je te l'ai dit en live, c'était une personne, il est venu en parler en MP en me disant, oh, pourquoi tu m'as banni et tout, ça se fait tellement pas. J'étais en mode. Pardon? Dégage. Ouais, Ouais. c'est. À chaque fois que tu bannis quelqu'un, de toute façon, en MP, t'as toujours qu'il y a un connard qui vient te faire chier, donc. Voire même, c'est. Ça, il est pas à l'échelle, autant pour moi. Il devrait être Mais plutôt pourtant ça 3 fois puait le plus. bot pour le coup. Trois fois Enfin le mec il est plus. arrivé, il a balancé direct un... Non, non, mais c'était une vraie personne. D'accord, c'était Mais une on est vraie d'accord qu'il faisait personne. de la pub le mec. Ouais, Voilà. clairement. Ouais voilà donc il allait se faire foutre. On est d'accord. C'est plus gros, comme ça. Et puis ça a des trucs sur lui. Ça a des espèces Que ouais. de. Hop, une caisse, un, deux caisses, un, trois caisses. Ah mais putain. Quel con! Voilà. Bah oui, j'ai mal fait mon truc, moi. J'ai été trop vite, pensant trop bien. Autant pour moi. Tiens, mais t'as le curieux, je sais pas si t'es encore là, mais as-tu vu mon sublime layout qu'un de mes meilleurs potes m'a fait il y a plusieurs jours, enfin ce week-end? C'est beau. Ah, c'est du bord de Ah, que je suis Bouddha, c'est du beau! bord Ah, de que je. Bouddha. Ah, c'est beau tout ça. Oh. Oh, c'est l'art, c'est l'art. Ah, mais je suis très content. Alors, j'ai pas vu ton layout. Bah, si, tu l'as vu mon layout, puisque tu étais sur le stream il y a 2 minutes. Ouais, mais comme ça plantait mon Twitch, j'ai peut-être pas vu. Ah oui. Alors. Je suis un truc merveilleux, vous allez voir. Ah, j'ai pensé à Métal Curieux là cette Ouais, je fois, tu pensais vois. aussi, mais... Oh! Que... Ouais. Ah bah oui. Ouais, si c'est pas moi, c'est l'autre. Bah voilà, évidemment. J'ai dessiné mon chef. Eh oui. Elle l'a déjà eu. Oh là! Son layout. Alors, rappelle-moi le layout, c'est. Bah c'est... Enfin c'est la gueule de mon stream, si tu veux, quoi. Ouais. Ouais, bref. Oui, non, mais oui. Oh là, oh là, oh là. Ouh, ça c'est de l'art, ça. Et là? Oui, c'est plus là. Ouais, bon, écoutez. Merci, métalleux. Mais Ouais, oui, il est tout joli, ouais. tu dois Il avoir a fait quelques ça samedi minutes, soir, je au moins crois. une bonne minute de décalage entre le stream et ce que tu as dessiné là. Ouais, Ah oui, faut faut. que tu décales. À 40 secondes. Ouais, faut peut-être refresh le stream à ce moment-là, faire pause play. Je l'ai pas. Non, 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 c'est. Voilà. C'était juste au singulier. C'est juste au singulier une arcade sourcilière. Et oui. Après, c'est vrai que bon, my bad, j'ai montré les deux. Oh, bravo, moi j'en ai pris qu'une. Bah ouais, t'as montré les deux. C'est toi qui as compétent, tu es mauvais. Oh, la mauvaise. Encore moi. Oh, la mauvaise. Oui. Alors, c'est quoi ça? Tu nous fais quoi, le symbole femelle? Il est un peu raté là. Oh. Wow. C'est photoréaliste, chapeau. N'écoute pas les mauvaises langues.
D'accord, ok. Oui, en fait, merci Mavou pour le coup parce que. C'est toi qui m'as donné la réponse là pour le coup. Bon, bah on va essayer celle-là alors. J'ai fait une petite noire à la base, mais bon. Pas grave. Alors. J'arrive pas, pourquoi il y a ta gueule minou le temps d'une frame. Ah, pour rien. pour rien, Nico. Ne t'en fais pas. Fais comme s'il ne s'était rien passé. Oups, pardon. Putain, mais minou, quoi, de tous les trucs qui pouvaient me faire chier, t'as choisi le pire. Tu m'appelles Doudou, c'est bon, quoi. Bah ouais, parce que ça te fait chier. Pff, non, je trouve ça rigolo, je m'en branle, en fait. Ah bon, moi, je trouve ça chiant. Eh ouais. Voilà. Je crois que ça ressemble à ça à peu près, et puis c'est ici. Voilà. Ouais. Je sais plus quel est le pays qui se trouve là, mais en fait c'est pas là, c'est là, mais c'est pas grave. Là, je refais ma carte d'Italie, excusez-moi, elle est dégueulasse. Là, c'est la Suisse. Allumage. Ah, foutu correcteur. C'est triste. Ah, ça y est, on a reperdu Mavou, et voilà. Ça n'a pas duré longtemps après moins de 10 minutes de stream. Correcteur de ses grands morts. On aurait dû avoir les pots aussi. Bon. Oula. Bravo. Néant. Ah bah non. Tout poum. Ah bah oui. C'est un dé. Ah, tout doom, d'accord. Négatif. Ah non. Attends, mais... Netflix, bah oui, je suis con. Bah oui, tout doom. Oui, tout doom. Allez, c'est parti. Ah non, mais j'ai été nul, là. Autant pour moi, chapeau, elle était géniale. Ouais, non, j'y ai pas pensé à Netflix, putain. Je me suis regardé une série tout à l'heure. Mais... plus de temps sur Netflix, finalement. Bah non, c'est que je passe beaucoup de temps sur Netflix, tellement que je m'en fous du symbole, maintenant, en fait. Bah, quand tu passes une semaine dessus, parce que t'es cloisonné encore plus que d'habitude... Ah. Oula. Il y a trop de mots. On me le dit souvent. Ça aurait été des gonzesses avec des fortes... Calme-toi. J'aurais dit Taken Plastic Ball de merde, là, mais non, c'est pas ça. Ou Insulte à la femme, ça aurait été plus simple. Ah, bat... Oh. Ah putain, je viens juste de le mettre. Ouais, mais non, il t'aurait manqué un S de toute façon, donc... J'en ai vu qu'une. Je me suis fait avoir. Too bad. Bon. Bad. Ah là là. Allez, chapeau, choisis-nous ça. Non mais... J'ai pas tout d'affiché, calme-toi, chapeau. Calme-toi. Ça fait quoi d'être pauvre, chapeau? Eh oh, t'as réussi avec Netflix tout à l'heure. Hein. Prochaine fois, on se fera un géoguesseur et tu seras sur téléphone portable aussi, ce sera génial. Eh, arrête, il va pouvoir mettre... C'est Google Earth qui va prendre la place du logiciel, il lui dit vous êtes ici. Bon bah je réponds. Tu m'étonnes qu'il a réussi à 50 mètres. What? Ouais. Quoi? Ne vous fiez pas aux couleurs. D'accord. Ah. Non, parce que moi j'allais mettre carré rose, mais s'il n'y a pas de... Ok.
Jaune. Oui, c'est jaune, oui. Moi j'ai trouvé, donc je pars du principe que c'est trouvable. Ouais, non, ça doit être trouvable. Hein. Un popcorn, putain, d'accord. Ah ouais, merde. Ah, dommage. Bah oui, mais oui. Alors, bien joué quand même. Je suis pas inspiré. Vas-y, choisis. Logiciel. Oh bah d'accord, c'est très simple. Bon. Oui, bon, on va commencer comme ça. Ouh. Et puis, c'est des hexagones, c'est des pentagones, c'est quoi déjà? Oula, oula, qu'est-ce qu'il nous fait? Petit point noir, on s'en fout. Petit truc. Oh, puis merde. Il n'y a plus aucun effort de la part du joueur français. Tout à fait, Thierry, tout à fait, et c'est dans le ton. Alors, on va faire plus simple, on va faire ça, on va faire le plus simple que je connaisse. Là-bas. D'accord. Ok. Et justement, on va prendre ça, et on va prendre ça, et ça va être plus simple. Et hop, et hop, et hop. Mais oui. Hop. Oh, c'est beau, putain! Voilà. Oh, putain! Voilà! Non, j'ai essayé le ballon de foot parce que c'est plus connu que le ballon de basket, mais bon. Ouais, finalement, le ballon de basket, tu vois, bim, du orange, 3 traits, c'est bon, quoi. T'inquiète pas que si un tabouret, je ferai honneur à ton marque. Putain, d'ailleurs, Nico, j'ai vu que tu avais conservé ta photo de profil atroce, mais putain, t'as pas honte? C'était ça que je devais lui dire, il se foutait de ta gueule par rapport à ta photo de profil. Mais non, je me fous pas de sa gueule, mais je dis, putain, le mec, quand même, quoi. Le famoso tabouret, oui. Alors, attendez, bougez pas. Genre, c'est le dessin de toi le plus moche du monde, et toi, tu mets en photo de profil, mais t'es fou. Alors, c'est un pénis. Ah, encore, ce sera une image de... ce sera un dessin de ta fille, on comprendrait tous, en fait. Oui, voilà, c'est ça, mais non. Pourquoi est-ce qu'il y a un mec qui bande Bambi là? On est pas en NSFW, qu'est-ce qui se passe? J'aime bien quand des mecs qui bandent. D'accord. D'accord. Et après, c'est. Et devant une petite fille. Exactement. D'accord, Bambi, super. Hein. On est content de t'avoir parmi nous. Oui, bonjour YouTube, voilà, oui, exactement, chapeau. Bonjour YouTube, oui, ça tu peux le dire, c'est bon. Et très bien, c'est un profil. Bras qui est mal placé ou quoi pour la vidéo? Elle est moche quand même. Ah oui, d'accord. Je ne pense pas que les gens qui pratiquent ce métier soient des pédophiles notoires, par contre. Non, pourquoi ils ont un comptoir devant eux si c'est pas pour cacher une érection? C'est un prêtre. Bah, bien vu, un métalleux, en soi, on n'en est pas loin. Ça pourrait être un prêtre. Alors, non, en fait, non. Si ça avait été un prêtre ou métalleux, j'aurais été bien plus cru. Alors déjà, c'est là on s'est passé sur une levrette, hein, très clairement. Yes. Là, on est sur une belle France. Un peu mieux que moi tout à l'heure, à part que t'aimes pas le Nord, hein, je remarque. Hein. Non, je déteste ça. Bravo, Bambit. De rien. C'est vrai que j'ai pas trouvé mon pseudo, merde. Eh oui. Non, c'est pas ça. Eh oui, j'ai niqué l'Est, parce que ouais, j'y connais rien, là. Bon, non, écoute, très bien, on va faire Strasbourg, à peu près là, comme ça. On va faire Lille, là, Paname de merde. Voilà, merde. Quimper. Et voilà. Non, c'est quoi, attends. M'avoue, un petit effort, attends. M'avoue, allez. Non. Mais non. Bah, à Bordeaux avec un X, couillon. Bah oui. Le X à Bordeaux, moi, tout à l'heure. Surtout que j'ai une très belle bouteille de Bordeaux juste à côté de moi, je ne pouvais pas louper l'orthographe. Ah, comment elle triche! Oh. Non, comment elle boit! Oui. Oui, surtout que maintenant son vin blanc est frais, vois-tu? Ouais. Alors, c'est du Sauternes? Tu tournes au Sauternes, c'est ça, non? Et je me souviens bien, c'est du côté de Bordeaux, ça. Je tourne au fond de coste, Côte de Bergerac de Bordeaux, c'est un vin blanc moelleux de qualité. Putain, d'accord. Merde. Et là, c'est dealer, hein, là, c'est drogue. Alcoolique. J'ai des bières. Non, je suis vraiment pas bon, là. Autant tout à l'heure, ça allait, mais là... Je suis mauvais, là. Qu'est-ce qui se passe? Une palette? Non, c'est ça? Oh. Non, c'est même pas ça. Désolé.
Désolé. J'ai donné l'info sans la donner. Je ne l'ai pas parce que j'ai pas fait gaffe à ce que tu disais. Ah, c'est con. Très bien. C'est con. Mais... C'est... Non, mais... Ouais, non, mais c'est... j'ai trop travaillé pour des structures qui... Ah ouais, non, non, bah voilà. Ah ouais, mais un génie, ça. Ouais, clairement que je suis là, là, clairement un génie, clairement, clairement. Et donc, voilà, voilà, non, qu'est-ce que je fais? On va faire ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, t'as des palettes qui s'appellent Mav aussi. Ah ouais. Eh oui, un copain a cru que ça venait de là, mon pseudo. Je t'avoue que je me suis posé la question en l'espace d'un instant. Eh ben non, ça vient pas de là. Ça vient de Maverick, le film avec Mel Gibson. Ah oui, et Jodie Foster. Oui, oui, bien ce film. Une gomme qui faut une gomme manger carrément. Voilà. Et avant. Voilà. 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 Mm-hmm. Et là. Et puis il est passé de. C'est quoi, c'est une fleur pour avoir du sexe? C'est quoi le... Quoi? Pardon, je vais aller le mettre dans une petite boîte. Voilà, petite boîte. Voilà. La petite boîte, elle est plutôt comme ça, la petite boîte. Moi, je vais couper les angles. J'arrive tout de suite. Voilà. Voilà. Quoi? De cet état-là à cet état-là. C'est un état. Bien vu, chapeau. Voilà. Quoi ? Je sais pas, moi. J'ai presque donné l'info. Putain, ils sont pas loin, hein. Mais t'as vu, chapeau, c'est simple pourtant, hein. Mais merde! Je parle d'un état. De cet état-là à cet état-là. Mourir. Mais c'est... mourir, c'est pas un état! Mourir. Pardon, c'est un... Merde, autant pour moi, je voulais pas non plus redonner l'info de deuxième fois, quoi, ça fallait. Mais bon, c'est chapeau qui a compris. Oui, une action qu'autre chose, effectivement. Oui, mais j'allais pas la redire une deuxième fois, la réponse, quand même. Hein. Hein. Ok, j'ai droit à une excuse pour ma bêtise, là, d'avoir dit à l'état deux fois au lieu de mourir. C'était soit ça, soit c'était une tentative de parodie de Ken le survivant. Action généralement involontaire, oui, la plupart du temps. C'est... Voilà. Non, mais j'ai... Qui a chié des spaghettis sur la gueule de cette personne? En général, c'est une princesse. Oh la vache. Voilà, on va leur attenter. Bien joué, oui, à vous. Oui, non mais oui. Là, sur le coup, oui, ça me paraissait plus logique après ça. C'est un peu exagéré, mais c'est joli. Putain, je l'ai pas, là. Ah bah oui, d'accord. Ok. Vous êtes parti dans les prénoms, déjà. Bah ouais, enfin, avec l'indice QU, je me suis dit, putain, mais ouais, ça va être... Monique Passion, hôtesse de caisse. Désolé, j'ai failli sortir la vanne. Désolé pour toutes les Véroniques, les Dominiques, les Hic. Surtout que ma maman s'appelle Véronique, donc tu laisses tranquille les Véroniques. Alors déjà, on fait ce qu'on veut. Non. Je connais des Véroniques très sympathiques. Ah oui, hein, pas touché ma maman. Hein. Non, je parlais pas de ta maman. Si tu veux. Oh. Je ne l'ai pas.
pas du tout à l'échelle. Ouh, il a la plus petite maison du monde. Hein. Non, mais c'est la perspective qui est un peu foireuse. Ah, c'est juste moi qui sais pas écrire le mot. Oui, c'est un putain d'escabeau de merde. Non, ce n'est pas une échelle. En effet, chapeau. Oula, oui. Sur le fil, bravo. Bah oui, mais c'est... Sinon, secoue les nanas. C'est une connerie. Tu vas peut-être invoquer ses fuiras en faisant ça, Bambi. Le mec avait été bon, on l'a plus jamais revu sur ses streams au final. Il a fait chier ça pendant une semaine pour se faire des balles et il est jamais revenu. Qui ça? Un mec qui s'était fait ban des streams de. Bah, le mec, grâce à qui je suis modératrice, j'avais rien demandé, mais je me suis trouvée modératrice. Et en gros, il a fait chier Metalo pendant une semaine pour se faire des balles et on l'a jamais revu finalement. Mais qu'est-ce qu'il avait fait ce couillon là? Des conneries. Il a invoqué des arabes et d'autres conneries en live donc. Ouais, d'accord. Quoi? Qu'est-ce que cette merde? Qu'est-ce que ce truc dégueulasse? Mais c'est le sida? Ah, je ne l'ai pas. Ah, apparemment, Nico se voit de qui tu parles. Ouais, mais il est jamais revenu en fait. C'est ça qui est exceptionnel. Il t'a fait chier la bite pendant une semaine, il n'a jamais revenu. D'accord, bah ouais. Je devais pas être là à ce moment-là. Il n'y a pas là. Ah, je suis arrivé en plein milieu d'un stream et je vois Nico hyper énervé. Je l'avais jamais vu comme ça. Je me suis dit, je vais quitter le stream moi. Ah ouais, putain, t'étais tout vénère, Nico, merde. De ouf. Et du coup, j'étais en mode bon bah. Et du coup, il fait ouais, fais chier et tout. Je fais au pire, t'installes Nightbot. En fin de session, j'étais modératrice, j'avais rien demandé à personne. Je suis en mode ok, Ouais, non, c'est joli. Du coup, il t'était pas loin, je pense. Ouais. Mais non, c'était coccinelle. Non, joli, non. C'est les deux au niveau de la tête que j'ai pas vu, qui auraient jamais vu le temps en fait, je crois. Bon, celui-là, hein. Tac. Mais c'est pas la première fois, Nico, que tu te fais emmerder en plus par des mecs qui sont un peu relous dans le délire. Je me souviens, il y a pas mal de temps, ça fait pas non plus 7 ans que je te suis, mais une des premières fois où je venais, je crois, où tu t'étais fait emmerder par un ou deux types qui étaient venus me casser des couilles aussi en MP, parce qu'ils disaient des saloperies, des saloperies extrême droiteuses, machin. Je pense que c'était vraiment du troll à la con, mais du coup, voilà, enfin, c'était pas très marrant, quoi, enfin. Autant faire des blagues un peu dégueu entre nous quand on se connaît, d'accord. D'ailleurs, tu l'avais dit sur ton live ce soir-là, je me souviens. Mais quand tu déboules comme une fleur comme ça, puis tu dis de la merde. Bon. Ouais. Et du coup, c'est pas la première fois que ça t'arrive, hein, du coup, ce genre de truc, c'est chiant. Ah, tu sais, y en a qui, pour qui aussi. Ah, mais t'as là aussi, il pensait comme moi une couille. C'était en avril pour mon anif. Insulté la maman. Ah ouais, putain. Super. Ah. Ouais, non, mais en fait, ça va plus produire ce genre de truc. T'inquiète pas, il faut tomber sur moi en mode vénère. Là, je me suis pas chauffé. Là, c'est mignon, tu vois, quand je vous banne et tout, mais t'inquiète pas, ça va pas le faire. C'est. Ils font ça, ils sont morts. Je les déglingue. Elle est toute folle dans sa tête. Elle est vaporise. Elle est ventile. Je te vois bien en version féminine de Raoul dans les tontons flingueurs. Moi, quand on m'énerve, je ventile, je disperse, j'évapore. On va le retrouver aux quatre coins de Paris éparpillé. Putain, mais je vois pas ce que c'est. Non, mais non. Rail, putain, aussi simple que ça. Là, dont on parle avec Bambi, il commence à faire des blagues un peu limites sur les Arabes. J'ai prévenu une fois, il insistait, je les banne. Oui, bah t'as bien fait. Ouais. Tu as clairement bien fait. Non, mais par contre, il était venu me harceler. Quand je dis harceler à MP, j'ai dû peut-être recevoir 50 messages en une heure du mec. D'accord. J'étais en panique totale et le mec m'engueulait, il était en mode ouais, tu vas voir Metal sérieux, ce bâtard là, et tu lui dis de me déballer et tout. J'étais en mode, mais t'es qui? Putain, abusé quoi. Non mais bon, qu'est-ce que tu veux, y'en a pour qui. Y'en a qui restent aussi dans les clichés, hein, métalleux. Y'en a pour qui de métal, c'est forcément une musique d'extrême. C'est exactement. Ouais, enfin bon. Putain. Alors que c'est les mecs les plus accueillants que j'ai jamais vu. Ouais, pas tous, hein, mais.
pas tous. Festival de Paris, il y a 2-3 nanas qui sont capables de dire qu'il s'est passé 2-3 trucs pas chouettes pour elles, tu vois. Oui, clairement. Non, mais quand je veux dire ça, c'est que la plupart que j'ai vus, à part le Discord de métalleux, j'ai croisé des métalleux. Non, d'ailleurs, le... Qu'en dire ? Non, c'est pas ça. Je crois que la cornière. Le premier métalleux que j'ai vraiment croisé, c'était un internat. C'était un métis. C'était un gars de Guadeloupe. Un pur métalleux de Guadeloupe. Et le mec, il était à fond dedans, quoi. Tu dis. Et là, ça te casse tous les préjugés que t'aurais pu avoir sur la musique métal. Tu fais. D'accord. Ah non, moi je peux t'en raconter, les gars sur les métalleux, c'est pas tous des besoins, ça. Ouais, non, les mains au panier quand tu vas juste chercher ta petite bière et que t'as rien demandé, ça fait pas plaisir. Oui, bah ça je veux bien comprendre. Je comprends tout à fait. Et t'as pas que chez les métalleux, t'inquiète pas. Non, bien sûr, mais bon, voilà quoi. Dans une boîte très célèbre qui commence par un... Et c'est un... Hein, très fière guerrière et tout, de l'anthologie grecque. Pour ceux qui ont vu le JDG spécial 11 ans, il est en quelle boîte je parle. Et là-dedans, là-dedans, je peux te dire que c'est RH. Ah, la grotte des Monty Python, c'est Kair Banog, chapeau. C'est avec toi sur les métalleux, il y en a quelques-unes. Ouais, malheureusement, ouais. C'est vrai qu'il y a tout ce côté très familial, très machin. On est une grande famille, c'est cool. On n'a jamais dit que les métalleux sont méchants, c'est simplement qu'il ne faut pas dire que 100% de la commune des métalleux sont des pissonnants. Non, clairement. Il y a plein de défauts. C'est partout, je voulais signaler que ça, c'est partout. Ce genre de... C'est vrai que moi, je crois que je t'en avais parlé, Bambi, mais la communauté métal et même la communauté geek, en gros, les deux choses qui forment vraiment le cœur de ce que je peux être moi, je m'en éloigne progressivement parce que je me reconnais de moins en moins dans pas mal de clichés, de machins, etc. Et les métalleux, oui, entre eux, les connards comme ça qui vont tripoter les meufs, entre les mecs un peu cringe, les mecs hyper élitistes, les machins, putain, ça suffit, quoi. Je te l'avais dit, de toute façon, les gamers, je crois que c'est clairement les pires. Sur WoW, il y a des guildes entières où il y avait bien spécifié dans le règlement, les nanas ne sont pas autorisées. Ouais. T'arrives là-dedans, en mode, ok, bah, je vais me faire foutre alors. Super. Ouais, enfin voilà, moi j'ai cofondé il y a quelques années une association de jeux vidéo là par chez moi. Il y en avait 2-3 qui avaient rejoint l'assaut là. Ouais, c'était un peu limite quand même, hein. Autant tout le reste, voilà, c'était vraiment des crèmes et tout, pas de problème, on a fait des events super cool et tout, il y en avait un ou deux. Oui, mais pas bien marqué. Oh. Ah, mais c'est le principe du problème, c'est qu'en fait, je dirais que 98% de la communauté est chouette, c'est juste que les 1-2% qui cassent le cul sont vraiment extrêmes, et du coup, t'as l'impression de ouf qu'elle est toxique à cause d'eux, quoi. Et c'est comme toutes les communes, en fait. Hein. Ouais, mais non, c'est les communes où vraiment t'as 1% de connards pour 80% de mecs bien. Ouais. Et je parle pas spécifiquement des mecs, je parle des gens en général, d'ailleurs. Mais pour les communautés métalleux et gamers, c'est plus ça. Effectivement, on n'est pas sur des gros stades de connards. Mais alors, les connards en question, tu les entends plus gueuler que le reste du panier. C'est ça qui est dommage. C'est souvent le cas, d'ailleurs. Hein, t'entends souvent la minorité bruyante. Oula. Tout simplement. Oui, j'allais mettre 20% après parce que c'est connu que mesdames prenez à peu près 80% des couvertures. C'est complètement faux. Je prends 80% des couvertures, mais c'est parce que je fais un doudou de couverture et je me sers contre la couverture. Ça m'a rien à voir avec la squat. Ouais, c'est ce que nous disait aussi Nex. Non, mais c'est pour faire un gros dodo. Non, mais c'est vrai. Et moi, alors. Ta gueule. J'en ai deux, Jean-Michel Trou qui sont venus casser les couilles. Non, mais c'est chiant aussi, ça. Vous avez qu'à rajouter une deuxième couette et puis voilà, faites pas chelou. Vous voulez une copie, bon, bah, vous partagez la couette ferme. Et pourtant, je suis un gars, je suis un vrai radiateur selon certaines femmes avec qui j'ai dormi. Elles me disent, t'es une vraie bouilloire en hiver, j'ai pas besoin de couette. Bon, d'accord, merci, c'est sympa. Yes. Oula. Bien vu, Bambi. Oula. J'essaye de faire deux choses en même temps. À la fois, essayer de parler
Mais ouais, c'est relou les mecs comme ça, justement. Non, mais. Bah, Qu'on ait des goûts différents, évidemment. Enfin, ça, c'est normal, quoi. Mais ça, au bout d'un moment. Après, tu peux troller les gens, leur balancer des petites piques et tout, c'est rigolo tant que ça reste dans l'humour et tout. Mais. Non, là, je vois pas. Ah, bah, tu n'as pas fait beaucoup de traverser. Travailler ton cerveau, plutôt traverser. Ah! Ouais, non, mais il manquait. Oui, oui. Ah, d'accord. Sous le coup. J'y ai pas pensé. Ouais. Putain, je suis mauvais là ce soir. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, je fais le ménage aussi dans les assos dans lesquels je vais, hein, parce que certains ça devient. Bah, dans la communauté JDR, etc., t'as du bon craignos aussi, hein. Bien joué, Chapi Chapeau. Le canamé gamer et métalleux qui est venu me casser la gueule en soirée, oui, t'as pas invité juste parce que j'avais éclaté en. Ridicule. Je te jure que c'est vrai. Ah, mais je ne mets pas ta parole en doute, c'est juste ridicule, quoi. J'ai fini par terre avec un poing dans la gueule et j'étais en mode. Il voit pas tes messages, chapeau, quand t'as deviné, il voit pas les messages. Bon, chapeau. Excuse-moi. Non, mais vous, ce putain, tiret à la con. Mais en plus, il est marqué le tiret, t'as aucune excuse. Oh merde. Voilà, j'avais pas fait une super soirée. Bah oui, tu m'étonnes, ouais. Ouais. Et genre, j'ai pas compris du tout, je me relève et le mec m'explique en gros parce que je l'ai battu en champ d'honneur sur WoW. Et je dis, attends, t'as retrouvé mon pseudo, donc t'as retrouvé mon Facebook. Et t'as vu en Facebook que je participais à une soirée publique avec des potes. Donc du coup, tu t'es pointé à la soirée pour me casser la gueule. On en est là, vraiment. Je te jure, c'est gros con. Non, mais c'est. Ouais, là, pour le coup, la fragilité, elle est palpable. En effet. Ah, c'est même pas être fragile, c'est totalement teubé. Et non mais là ça c'est... Ah merde. Non. Ouais, les gens quoi, les gens. La bêtise humaine, écoute, dernièrement tu moi qui aime bien Star Wars, je sais pas, Metallo il a dû voir la connerie. Il y a des vegans qui ont dit, qui ont gueulé, des vegans fans de Star Wars qui ont gueulé parce que bébé Yoda il mange de la viande. Ouais. Bah allez vous faire foutre. Je veux dire. Ouais, j'avoue, ouais, t'as pas pu porter plainte, ouais. T'as pas plus sain comme activité que de casser les couilles à tout le monde. Encore une fois, ça dépend. Enfin, ouais, j'ai pas forcément envie d'aborder trop de genre de sujets en live, quoi, mais. Oh, pardon. Juste pour dire, enfin, c'est pas histoire de clore le sujet pour vous fermer votre gueule. Je comprends tout à fait les arguments des vegans. J'en ai pas mal parlé de tout ça avec des potes qui sont végés ou vegans. Et en vrai, tous leurs arguments se tiennent complètement. J'ai rien à dire. Enfin, étant de nature assez sceptique et à me baser sur des faits, etc. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Leur mode de pensée se tient dans la globalité. Après, comme dans plein de mouvements, comme dans plein de causes, etc., il y a beaucoup de points de vue différents, etc. Et moi, quand on essaye de me l'imposer en mode prosélyte, bif bof. Voilà. Voilà. Je savais pas vu. C'est... Je savais pas vu, tu l'as mordu. Bien vu. Ah bah oui. Content, les gens ont trouvé. La plus jolie des princesses Disney, à mon sens, d'ailleurs. C'est la seule que je trouve vraiment mignonne. Elle est bien, c'est vrai qu'elle est correcte. T'as dit quoi, Bambi? T'as dit quoi, Bambi? Il y en a d'autres qui sont sympas, franchement. Ouais, je sais pas. Moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent Vaiana et tout ça, c'est la vraie rebelle qui va contre la société, etc. Elle est moderne, elle est indépendante, elle veut l'indépendance des femmes, etc. Et rebelle, les gars, la rookie.
qui détruit son propre mariage. Parce que le mec vient de péter les couilles pour une putain d'œuvre de fiction, pardon, mais il faut avoir du temps à perdre. On est d'accord. Mais ah c'est, ouais, c'est ça qui se passe beaucoup. Mais les gens sont ces derniers temps, hein. De la réalité. Hein. Bah, c'est pas qu'ils sont déconnectés de la réalité, c'est qu'en fait, ils veulent faire rentrer la fiction dans la réalité. Oui. Enfin, je sais pas, c'est, c'est assez chelou. C'est quoi ça? Ah oui, tout simplement, ok. Non, non, mais enfin voilà, moi je vois passer des infos comme ça, même si je me tiens très éloigné des infos, justement, comme je t'avais dit, métalleux en MP, je me suis déconnecté de Facebook, etc., justement pour plus avoir d'infos anxiogènes, etc. Il y en a toujours. Il y en a toujours par-ci, par-là, et ouais, c'est pas. C'est pas. C'est Mizuki, pas... Oui. Mizuki, on a les pieds sur terre, pas eux, c'est pas grave, c'est triste, c'est juste qu'il faut les éviter, ces gens-là, et puis voilà. Oui. Voilà. J'aurais presque dit Batman au départ, mais non, c'est pas ça. Non. Non, c'est la bestiale la plus adorable du monde. C'est trop mignon, en vrai. Oh ! Ah, il dessinait la tête d'un mâle. Très jolie. Très très jolie. Elle est super bien faite. Un petit extraterrestre. Merde, j'ai pas fini. Je voulais mettre la tête de mon mec. Est-ce que vous voulez un petit point culture d'ailleurs? Allez, point culture, oui, c'est parti. Allez, vas-y. Point culture de deux secondes, anecdote. La menthe religieuse ne mange pas nécessairement la tête du mâle. En réalité, si le mâle vient avec de la nourriture, un puceron ou n'importe quel autre insecte après la copulation et qu'il se présente avec, il a le temps de se barrer et elle ne le tue pas. En fait, elle a besoin de manger, donc elle mange le premier truc de viande disponible, à savoir le mâle. Mais s'il vient avec de la barbaque, elle le laisse tranquille comme et il repart avec sa tête. D'accord. Comme les araignées. Les araignées, c'est pareil, et les mâles, en général, ils mettent une bonne couche, tu sais, ils font un gros paquet avec un tout petit moucheron dedans. Allez, vas-y, défais le paquet, chérie, je tire beaucoup. Allez, ma pousse. Oh, mais c'est ma chérie, ça. Vas-y. Ouais. Je charge. Ah, c'est un... Oh. Ah, putain, c'est un... je crois que c'est un tableau... Oui, merci, brutal. C'est pas le mal misé, c'est pas le mal cocagne. Putain. C'est lequel de ces putains de mâles à con. Je saurais pas. Putain, bien joué, Bambi. C'est si simple. C'est littéral. Ah. Putain. Joli. Non, mais t'as raison. Évidemment. Chercher simple. Oui, vas-y. Ah, alors, j'ai facile... Mais t'as vu, métalleux, je dessine mieux les montres religieuses que ta gueule. Désolé. Hein. Je vous laisse le choix, j'ai peut-être deux faciles et un hardcore. Est-ce que vas-y, choisis, sacré bon Dieu. Ah bah, trop tard, il a choisi ma place. À la fin de la ronde, vous relancerez pas tout de suite, faut que j'aille changer ma résistance. Ça marche. D'accord, alors, je ça crois marche, que marche. C'est... Non, il n'est pas comme ça. Oh putain, pourquoi j'ai hésité l'espace d'un instant à le faire ce coup? Alors, mais comment tu fais pour changer ma résistance? J'ai pas la force pour le faire. Résistance de quoi? De clope électronique. De vape. De vape. De vapoteuse? Ouais. Oui, mais je ne sais pas comment la changer puisque j'ai la force d'un chamallow dans les bras. Ah bah ça après. Mais tu l'as jamais changé, Bambi? Bien sûr que si, mais je demandais à mon papa ou à n'importe quelle personne ayant plus de force que moi dans les bras. Ah oui, merde. Voilà. Oui. Voilà. Tête là. Voilà, il a des. Non, je crois. Et puis, non, 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 non. Voilà. Ces jeux d'eau ne sortent pas de sa carapace dans cette forme-là. Ouais, bah écoute, moi c'était il y a plus de 20 ans, ok. Il est debout. Il est debout, Carapuce. Ah bah oui, c'est, mais oui, c'est le premier. Il se met deux doigts dans la gorge pour vomir, exact. Alors, on n'a pas du tout vu les mêmes animés. Non, c'est que je suis un fan d'une vieille BD qui les a parodiés comme ça. Tu vas faire cette putain d'attaque. Et là, t'es médecin, m'avoue. T'as l'autre qui regarde et qui se met deux doigts dans la bouche. Il y a Métallo Curieux qui te demande si t'es médecin, m'avoue. Je sais pas pourquoi il te demande ça, mais. Non, je suis pas vraiment médecin, mais oui. Mais donc, putain, Bambi! Bonjour YouTube! Bonjour YouTube, ouais, super, je vais me faire ban! Mais non, on sait pas ce que c'est! Alors, moi, je vois très bien ce que c'est, là, pour l'instant.
Non, j'ai fait un peu de biologie dans mes études. Miaou. Ah bah oui, c'est Minou. Mais putain, Bambi, tu fais chier. Accessoirement, c'est aussi... Parce que t'écris comme un sac. Salope, bien vu, métalleux. Ah oui, non, par contre, j'ai travaillé en pharmacie à décrypter les ordonnances des médecins, donc oui, ça transforme un peu. Quand tu es 4 pour décrypter l'ordonnance d'un médecin, pharmacien compris, hein. Pourquoi est-ce que t'as fait le reste, Bambi? Mais Bambi, putain de merde! Je suis choqué par le dessin, j'arrive pas à... Faut calmer tes hormones, hein, putain! Non. C'est pas ça, c'est quoi ça? Ah non, mais là... Incroyable. Non, je suis bloqué par le trash de Bambi, là. Merde, non. Bon, le trash, non, voilà, putain. J'ai essayé des pompes, je suis tombé à la tête dans la première... Ouais, non, mais en même temps, les pompes, c'est l'horreur. Les pompes, c'est l'horreur. J'ai beaucoup de force dans les jambes, mais malheureusement, ça ne permet pas d'ouvrir une vape, d'accord? Ah! Alors, je suis pas la seule à faire du NSFW, hein. Bah, écoute, hein... J'essaye de rester romantique. Non, bref. Je suis appuyé par dans le trash. Ah, mais fallait faire une fellation, c'est comme ça que ça s'appelle. Bah, mais non, je préfère faire un pédophile à côté. Ah non. Merde, laisse-moi faire ce que je veux. Toi, tu dessines une grosse chatte ouverte pour faire deviner compas. Ça suffit. Eh ben oui, ouvrir les jambes en compas, enfin, le compas quoi. Ouais, bien sûr. La tête et la glace, je veux dire, c'est un classique. Ouais, ouais. Oh la vache. Ouais, on en est là, ouais. Ouais, on en est là. Hein. Petit bras, métal. Oui, j'ai des petits bras, alors. C'est pas Red Bull, ça. Trop long pour être Red Bull. Bah, je l'avais déjà eu. Oui. Spider Cochon. Druick, oui, presque comme mon groupe de musique. Oula. Quoi? Ouais, non, mais celui-là, il est chelou comme mot, en vrai. Non, non, c'est flap, c'est pas fap. Fap, ça a une autre signification, pour le coup. Oui, ça a une autre, toute autre signification. Ah, faut que tu fasses une commande aussi chez Métalleux. Métalleux, je vais t'envoyer un MP. Bon, bah écoute, on va faire simple, hein. On va faire le bon vieux truc, hein. Ça, c'est le typo. Ça, c'est le plateau. Oh putain, comment je me fais mal. Voilà. Putain, joli, j'ai un qui a deviné. Pourtant, c'est facile. Voilà. Mais... En général, t'as quelqu'un qui a... Ah, et un... Ah, yep, 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 yep. Et il regarde dedans. Ah. Yes, carrément. Ouais, j'ai essayé de faire un truc basique. Hein. Ah, mais c'est cool en vrai. Donc non, métalleux, je sais pas où il en est. Ah ouais, ça s'était pas mis à jour, j'étais toujours sur des formations. Pas loin. Bambit. Non, pourquoi tu me renvoies sur Discord, toi, méchant. Alors... Oh non! Putain, j'allais écrire Snapchat, en plus j'étais sûr que c'était ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, alors... Bon bah désolé Bambi, tu seras la dernière.
D'ailleurs, oui, à chaque fois, tu changes suivant ton humeur, tu joues, tu changes de pseudo. Et là, t'es très axé. On aurait dû s'en douter avec ton pseudo. Non, mais c'est pas ça, c'est juste que j'aime beaucoup changer. Avec Bambi, tu peux faire beaucoup de variations. Oui. Comme Bambifle, qu'avait trouvé mon pote Simon. Oui, mais non, Simon, je m'encule, ok? Soyons très clairs. D'accord, ok, super. Bah, il aime peut-être ça, hein. Pas que je sache. Au revoir à tous. Et donc, voilà. Donc, Il est toujours présent, ce métalleux? Je crois qu'il est encore dans le chat, ouais. Ouais, mais il est occupé, il fait des trucs en même temps. Ouais, il fait des trucs pour le taf. Laissez le chat tranquille. Justement, bah non, j'allais... Bon Blitzkrieg. Bambino, bien fumé, t'as le curieux. Ah oui, non, mais tu peux tout faire avec Bambi. C'est ça qui est bien. Non, alors, non, pas dans ce sens-là. Titre, c'est un titre. C'est un titre de film zoophile, voilà. Tu peux tout faire avec Bambi. Alors, sachant que Bambi, c'est un peu le surnom de Michael Jackson aussi, hein, moi j'ai peur. Ah oui, c'est vrai, oui. Hein qu'est-ce que c'est que ce truc et d'habitude, tu dessines mieux que ça, alors c'est quoi ce que tu... Ah, mais parce que j'ai représenté une scène entière, c'est trop compliqué en 120 secondes. Dortoir. Oh putain, on n'a pas la même définition d'un dortoir. Hein. Non. Non, 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 c'est génial cette phrase. De bataille de polo chaud. C'est génial. Hein, non, c'est, en fait, en général, c'est pas ça des alternatives, c'est pas aussi chez gens qui ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que un bûcher funéraire? Que quoi? Ah bah oui. Merci. Là là là. Quel enfer. Tu peux tout faire avec mon pied. Non. Alors non. Faut faire une commande pour ça, non? Putain, non, c'est... Non, on a pas besoin de commande. Mais attends, je suis en train de réagir. La métalleux curieux, pourquoi est-ce qu'il a un crâne rouge? Parce qu'il a changé de mois d'abonnement. Comment ça, il a changé de mois d'abonnement? Ça fait en deux fait, mois. Quand tu changes de mois d'abonnement, t'as l'abonnement du premier mois qui a une couleur bien spécifique chez tout le monde. Ouais. Et ensuite, quand t'avances dans les abonnements, ton petit truc là, il change de couleur. Ah putain, chez moi, d'accord. En fait, tu vas passer d'un petit papillon, enfin le papillon Bambi, tu vas passer du papillon bronze, argent et or. D'accord. Ouais, parce que moi j'en ai fait que trois des couleurs comme ça. Voilà. Ok. Oui, chez moi, vous aurez un papillon. C'est pas glamour, mais... Rideau. Ah, vu le nombre de fautes d'orthographe que je fais depuis le début de ce jeu, hein... Merde. On va faire une commande, tu peux tout faire avec Bambi. Ça pourrait être bien. Mais de toute façon, oui, Bambi, non, elle... Tu peux tout faire avec elle, tu peux tout faire avec elle, et elle sait tout faire, surtout. Oui, je sais tout faire. La petite voix qui va bien. Elle nous parlait du confin javanais, là, tout à l'heure. Je sais tout faire. Allez, chapeau qui nous fait un petit truc qui peut trigger des gens. Non, c'est des extraterrestres. Ça se voit. Je comprends rien. Tour. Ah, d'accord, très bien, on était sur du 11 septembre. Donc. On était sur du 11 septembre, actuellement. Non, 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 on voit très bien que c'est le tour de Captain America. Ah. Bon, on va faire celle-là, hein. Général, c'est là. Tac. Ah ouais, parce que s'il y a des gens qui passent par hasard sur ce chat, ils vont vraiment croire qu'on est des gens hyper border et hyper malsains. Et ah non, 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 je pense que ce sera très clair pour les gens, on n'est pas border, on est complètement extrémiste, dégueulasse, sataniste, pédophile, nazi, cannibale. Hein. Oh la vache, c'est la ligne la plus droite que j'ai jamais... J'avoue, à main levée, m'avoue. Depuis tout à l'heure, j'arrive à faire de belles droites à main levée. Bravo. Oui, alors, oui, par contre, mes yeux, oui, c'est vrai que c'est un peu pareil, chapeau, là, je suis venu aveugle, là. Ah, désolé. Autant pour moi, bah, je vais remettre en blanc, alors, hein. Autant pour moi. Oh, mais c'est le vert aussi, tu sais, qui est choquant, hein, mais bon, c'est pas grave. Oh, et tu m'emmerdes, hein. voilà, c'est mieux, là. Ça, c'est yes. Mieux.
Et puis, surtout, voilà. Oui, moi je suis dans le noir. Ah oui, effectivement, chapeau. C'est le patin. Baisse la luminosité à fond, chapeau. Fais pas le con, putain. Voilà, et les gens, voilà. Et les gens, voilà. Tu sais que je rêve de ça depuis tellement longtemps. Il touche dedans. Voilà. Oh, tu veux, chapeau. Mets les droites pas dans ma gueule, s'il te plaît. Chapeau, on sait, reprends-toi. On sait que tu es mineur, mais il y a des limites quand même. T'as passé l'âge du pédiluve. Ok. Waouh. Ok. Plouf. Pourtant pas compliqué, plouf. Le petit Jean-Ri a très bien compris qu'à la piscine pour draguer des copines pour faire. Putain, mais m'avoue quoi, le mec il pète des plombs H24. Et non, ouais, non, c'est rien. Ah, oh, c'est un crustacé. Omar m'a tué. Lol. Pas mal. J'ai oublié le dé, putain, j'ai voulu trop vite, j'ai oublié le dé. Oh là là, c'est ignoble. Alors, non, la chanson que j'ai chantée, vous connaissez pas Je m'excuse par avance pour ce que je vais décider. Yes, excellent, c'est toujours les meilleurs moments, là. Les virgules, tu les connais pas, quoi. D'accord. Mm-hmm. D'accord. Alors, encore une scène de sexe, évidemment, par Bambi. Elle a décidé de nous faire tout le Kama Sutra en bonhomme bâton. Ah non, ça s'appelle un plan à trois, ça. Ah là, oui, on commence à... voilà. Ça commence à devenir amusant. Ah, alors là, on... ouais. Alors, la dernière fois que j'ai vu ça, les murs tremblaient, honnêtement. Hein, on est plusieurs à se demander si la demoiselle allait être vivante le lendemain matin. Ah, autant que ça! Bordel de merde! Je vais continuer à en dessiner, hein. D'accord. Évidemment, il n'y avait aucune autre façon de dessiner ce mot. Non, aucune! Bah non. Ce n'est pas un bouquin qui est métalleux curieux. Parce que tu vois bien qu'il n'y a que 4 lettres, hein. Et à la base, on n'est pas sur du NSFW, mais forcément Bambi qui est dégueulasse. Non, mais Métalleux Curieux, il est plus loin que nous quand même. Non, elle a pas mis des chaînes. Elle a pas mis, tu sais, comme dans les animes japonais où la fille elle tombe dans les cordes et elle termine ficelée comme un saucisson. C'est pas ça le bukkake, hein. Non, du shibari. Ouais, c'est du shibari là, du coup. Ça, c'est du shibari. Si vous connaissez mieux que moi, la preuve. Non, je confondais avec le bondage, autant pour moi. Ah bah oui, complètement, oui. Le shibari est une pratique de bondage. Oui. Enfin, à la base, c'est un art, en fait, ça n'a rien à voir avec le sexe. Oui, c'est vrai. Bah, ils font tout tourner à l'art, les Japonais, en Asie, en général. Hein, c'est pas forcément leur frappe des cœurs, en fait. Bah, à la base, c'est putain, mais Nico, quoi. J'entends pas ce que tu dis, ô très cher Bambi. Slet. Non. Oh, ça va. Regarde comme je suis slet. Merde, je sais plus comment on l'écrit, ça. Là, putain, fais un effort, quoi, merde. Bien. Non, c'était svelte. Mais putain, Bambi, qu'est-ce que je t'ai fait, là? C'est parce que tu t'es foutu de mon mot que j'ai mal orthographié parce que je suis allé trop vite, ok? Laisse-moi tranquille! Ouais, ça va, Bambi, fais pas ta victime non plus, hein? Toujours. Non, mais je trouve pas juste qu'on est mieux traité chez Metallo Curieux que chez Brutal Polo. Comment elle fait de la lèche? Ah, c'est insupportable! Oh là là! Et moi, je m'en fous, je suis un péon avec des droits civiques, alors. Et Naïla et moi, on est très satisfaits de notre condition de péon. On le fit bien. Voilà. Ce qui est très intéressant, c'est... Là, truc. Là. Yes. Et tu cherches... Ah, mais ça s'appelle un chien, ça. Non, absolument non, pas. Non, le chien, il se trouverait... Ouais, il est au-dessus, il est oui, au-dessus. Le chien, il est au-dessus. Et d'ailleurs, normalement, on est censé appeler ça une détente.
Oui, tout à fait. Exact, c'est une détente, c'est l'ensemble qui forme la vie. Oui. Mais bon, par déformation, on va dire. Autant pour moi. C'est les seuls pions que je respecte, qu'on se le tienne pour dire. Ah bah putain, sympa, hein, Nico. On reviendra sur tes streams, dis donc, salopard. Putain. Non, mais... je te le dis. Et le mec, il vient même pas sur Discord pour nous le dire en vocal, tu vois. Ah, le salaud. Le chien, il est en train de streamer. Putain. D'accord. On en est là, mets-le. Le bâtard. Oh, t'as moi qui l'aimais bien et tout. Non, mais en fait, tu vas revenir, c'est juste pas négociable. Ah, bravo, Bambit. Non, mais elle est super bien faite. Elle est super bien faite. Oh, bah voilà. Elle a été même pas eu le temps de marquer Miam. Allez. Je pense qu'après moi ça ira bien. Putain, mais t'es le curieux quoi. Je t'ai offert un EP, je te l'ai envoyé chez toi et voilà comment tu me traites. Non, mais oh, tu parles mieux au chef toi. J'ai fait un cadeau à ton chef. Est-ce que tu lui as fait un cadeau? Je crois pas. Moi je lui ai envoyé un cadeau. C'est le nombre d'événements que j'ai offert à mon chef. Moi je lui ai offert un cadeau, tu vois. Je lui ai offert mon art. J'ai offert des centaines d'euros au chef, ok. Oui, bah faudrait peut-être que tu te calmes d'ailleurs. Non, faut que tu te calmes là. C'est... Ouais. Là t'es en train de détruire ta vie pour le chef, c'est dur ça. Alors, moi je suis un super péon. Pour le coup, on peut pas tester. Ouais, vous êtes des merdes. Quoi? Non, mais maintenant on sait que Bambi elle sait tout faire. On peut tout faire avec Bambi, surtout. Qu'est-ce qui... Non, t'en veux pas. J'attendais qu'elle dise ouais. On peut vraiment tout faire. Non, mais on t'adore. Là-dessus, on t'adore, Bambi. Pour beaucoup de choses. Tes dessins. Et ton sens de l'humour. Alors là, par contre, j'avoue que je bug. Pourtant. Allez, fais-nous le petit bras. Ouais, il manque le petit bras, je pense. Le petit bras bite. Et le petit sourire, oui. Hé, connard, regarde. C'est ça qu'il faut que tu deviennes. Je voulais prendre la preuve qui me pointait sur le Discord, mais là, je vois pas le canal. Ah oui, merde. Attends, c'est quoi? Tu vas répondre à la preuve, tu apportes des faits en direct. Allez, on va voir s'il assume en direct plutôt que par écrit. Vas-y. Petit Nicolas, là. C'est bon, t'as le flash. Une vraie double, là. Même Bambi, elle me rattrape, quoi. Oh là 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 là. Wow, j'apprécie pas trop ces insinuations, mais... Okay. Non, alors que tu t'es fait jarter toute seule tout à l'heure, t'arrives à me rattraper. Oui, c'est vrai. C'est voilà, quoi. C'est une pousse de bambou dans Animal Crossing. Ça pourrait. Pourrait, hein. Que quoi? Bonjour. Salut Nico. Alors comme ça, tu n'aimes personne? Alors non, j'ai pas dit que je n'aimais pas les autres Léons. Il y a une nuance qui est très importante à faire. J'aime tous les Léons. Mais par contre, ça ne veut pas dire que je les respecte tous. D'accord. Il préfère venir à l'oral, comme ça reste moins de traces dans le chat, en fait. C'était presque un titre, ça, d'ailleurs, mais bon. Il n'y a pas de traces écrites comme ça. Mais putain, Bambi, mais d'où tu devines ce que c'est, ça? Rouge, c'est rose. Ah ouais, non, mais c'est... Oh là 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 là. Bon, tu t'en sors au niveau de ton taf, Nico, ça va? Ouais, ça va, je suis en train de remplir ma feuille de temps. Ah oui. Après, on fait... En gros, c'est quoi ce bruit à la con là? Que je fais valider par la cliente. J'entends un bruit à la con. Et en fait, le truc, c'est juste que je fais un truc que je suis censé faire tous les jours. Et du coup, je n'ai pas fait depuis deux semaines. Et il y a des jours où je ne sais plus ce que j'ai fait. Ah oui, merde, ouais. C'est un peu problématique. Oui. Oui, un peu. C'est pas terrible. Mais putain, mais c'est quoi ce bruit?
En attendant, je vais clipper ce qu'il a dit parce que je trouve ça très intéressant que Nico l'ait dit en live qu'on était les meilleurs péons, Inaïla et moi. Ce clip va très clairement être enregistré comme commande, je tiens à le préciser. Bruxelles hein, ouais. Matt, tu parles de ce bruit-là? Oui. C'est mon pad numérique de mon PC. Ouh la vache, putain, tu as le pad numérique le plus puissant du monde. Le sais-tu? Bah, en fait, c'est juste que je suis sur mon PC portable, parce que du coup, je suis sur mon PC de boulot. Ah oui, d'accord. Mais je vais quitter le vocal. Non, mais t'en fais pas. Bah, allez. Zoubi. Bah, mais merci d'être passé, Nico. À bientôt. Zoubi. Y'a pas de soucis. De toute façon, je reste sur le stream. Allez, enfin, yes, ça roule. J'ai pas fini, je reste sur le stream. Ça roule, allez, ça roule. Bisous. Ciao. Ah. Non. Ah, brochette. Mais oui, putain. Oh. Viande. Viande. Ah, ah viande. La barbade que j'ai pu m'acheter et que je m'en refile aujourd'hui parce que ça faisait une semaine et demie que je bouffais que de la verdure, alors au bout d'un moment Merde, putain, Taras là. J'ai trouvé. Oh merde, chapeau, t'as été plus que moi. Ouais, first. Ça tu. Putain, j'ai trop de musique en tête en ce moment. Putain, pourquoi? Bravo. Bravo. Alors, c'est le moment où Bambi doit s'occuper de sa vape. J'arrive, je yes. Finis mon clip. Y'a pas de problème. Bon, bah, je vais... En espérant qu'elle y parvienne quand même. Voilà, donc publication de clip, donc le clip est enregistré. Hein. Alors, j'essaye de faire ma petite vape. Mais je crois qu'en plus j'avais la même vape avant, c'est pas compliqué pourtant. Tu la serres peut-être trop, non? Mais si je suis obligée de la serrer. Bah ouais, mais. Je n'y arrive pas à la desserrer, j'ai besoin de quelqu'un. Ah oui, mais bon, on peut rien faire pour toi, là, ma grande. Eh ben oui, mais... Je veux la paix. Voilà, tu me pipes, hein. Allez, tiens, je le mettrai en 8 rounds, celui-là, et puis comme ça, ce sera la dernière partie. Allez, Bambi, on croit en toi. Pardon, excusez-moi, la femme à qui? Quoi? Ah, je croyais que vous m'appeliez, moi. Qu'est-ce qu'il dit, putain? Autant pour moi, je croyais que mais qu'est-ce qu'il dit? M'avoue! Non, mais je me suis mis une musique en bruit de fond. Et j'ai cru que vous m'appeliez, j'avais mise trop forte. C'est que ton fond orange m'a fait... Comment dire? Fond orange. Ah oui, ce truc-là, là. À la con, là. Ah oui. Ouais. Disco Inferno. Le clip, les mecs, ils sont orange, tout pareil. D'accord. Est-ce que tu y arrives, Bambi? Je m'en suis rappé. De quoi? Je m'en suis rappé. Je comprends rien. De quoi? J'ai dit que j'allais y arriver. Ah oui, on croit en toi, Bambi. Allez. Vas-y, Bambi, allez. Pète-moi une main. Oui. Allez, tout le monde encourage Bambi dans le chat, allez. Allez. On y va. Bambi. Attendez. Je n'arrive pas à dévisser la résistance. Putain, mais c'est quoi ta résistance, quoi? C'est pas une résistance forte, mais elle est pleine d'huile de clope, du coup c'est dégueulasse. Bah, prends un petit sopalin pour éponger le bon vieux gras. Oui, c'est ce que je viens de faire, mais c'était que... Ah, j'en ai plein les doigts, c'est vraiment immonde. Pour éponger la substance collante et visqueuse que tu as... Allez, bon, vite. Ah non, mais elle en a plein les doigts. Bah oui, elle en a plein des doigts, bah oui, non, mais ça colle, c'est visqueux, c'est chiant, hein, bah oui. Comme quoi, on peut vraiment tout faire avec Bambi. Allez, Bambi, voilà, Métallo, il est mieux que moi, il a dit Bambi. Bambi, t'as fait une faute dans ton clip. Quoi?
Bah, le maître a dit, d'ailleurs, t'as fait deux fautes. Il n'y a pas d'accent circonflexe Ah sur le i merde, et mais c'est il y a mon un accent grave correcteur sur le de a. merde! C'est mon correcteur de merde! Bah, le C'est correcteur, il est juste pourri là. parce que s'il écrit maître sans accent circonflexe. J'ai vérifié d'éditer mon cul. Hop, c'est bon, le maître a dit. Avec ses doigts poisseux et collants. C'est ça. Essaie d'utiliser tes dents, peut-être. Non, en général, faut pas utiliser les dents, mais. Oh, si c'est fait avec beaucoup de professionnalisme, écoute, je suis persuadé que ça peut fonctionner. Tu diras. Là! J'attendais qu'il rate. Bon, au pire, tu fumes pas. Oui, enfin bon, tu sais, Bambi, voilà. Oh merde, hein. On te taquine, Bambi, ne t'inquiète pas. C'est amical, c'est gentil. Sache que je me permettrai pas d'être trop méchant, parce que sinon, moi, j'ai une armée de cousines qui m'arrivent sur le coin de la gueule. Pas que ça, hein. Si tu te prends en stream chez Metano, tu vas prendre cher dans ta gueule, moi je te le dis. Hein. Aussi, mais ça c'est moins grave que avoir. Non, tu me balances. Elles sont toutes super gentilles, hein. Mais c'est comme mes grandes sœurs pour moi, je suis plus petit de la famille en fait. Hein. Bah, c'est une balance, tu vois, c'est, tu vois pourquoi elle est à ta botte, hein, Nico, voilà, tu vois, c'est une balance, collabo, machin, un peu, voilà, on est dans le ton, quoi. Voilà, il existe désormais une commande chez. Chez Métalleux qui prouve qu'il ne respecte que ses modératrices. Tu as linké le clip à une commande. Oui. Et c'est quoi le nom de la commande? Est-ce que nous on peut l'utiliser? Non, c'est réservé aux modérateurs parce D'accord. que nous sommes des paiements avec des droits civiques. Bon balance. Bon balance. Métalou, tu as beaucoup de. Ouais. Vous en faites pas, chef. Ça ne sera utilisé qu'en cas d'extrême nécessité. Ah, ça peut être ça, la... quand il dira bon balance. Bah, c'est... non, mais il va pas coller à Bambi. C'est génial. Tiens, prends-toi ça, toi. Eh ben écoute, prends-toi ça, toi. Qu'est-ce que je te dise? Non mais où? De quoi? Non mais j'ai répliqué. Qu'est-ce que t'as fait? Bah comme d'hab, hein. C'est quoi la commune par curiosité? Non chef, je vous entendais toucher à ma commande. Tu sais, tu peux virer la commande sur Nightbot, hein, Nico. Je dis ça. Non chef. Je dis rien. Alors on va passer entre 35 et 40 secondes de décalage entre le Discord et... Ah c'est bon, j'ai vu quand même, pas tard. Je suis disponible pour jouer. Eh bah ben c'est parti, allez hop, sans plus attendre, le dernier round de la soirée. On les attend toujours. Un beau dessin, putain, j'avais pas vu. Qu'est-ce que ouais, c'est moche. Chapeau. Non, j'ai cru que t'avais... Oh là, autant pour moi, moi j'ai lu un beau déclin. Oh là, je suis fatigué. Aussi. Alors ça commence par une paire de nichons. Ouais. Ah, alors... Ok. Putain, chapeau, bâtard. Bon, bah 42 quoi. Bon, chiffre magique, c'est bien. Salaud. T'es sérieuse, Bambi quoi. T'es putain de sérieuse. Tu as un énorme problème. Alors, non, achète-toi un instrument de compagnie. C'est un Glory Hole. Non, mais voilà. Bambi, quoi. J'ai décidé que j'étais sur une thématique ce soir. Je m'appelle Bambi, et du coup, j'ai décidé d'être fidèle à mon pseudo. Alors, voilà, c'est tout. Mais, Vétaleu, je ne sais pas si tu entends parler, mais il paraît que le gouvernement québécois a recommandé, lors du premier confinement chez eux, que les relations sexuelles se fassent notamment par Glory Hole. Pour éviter les contacts physiques. Ouais, ça reste un contact physique. Ah ouais, non, ils sont pas mal, hein, ils vont loin. Les Anglais, oula, ils sont avec encore un, plus loin, ils avec ont un, interdit. Avec un S loin, t'es sûr? C'est loin, c'est très loin, en fait. Oh, habile. Oui, alors bon, pourquoi est-ce que tu le remets?
Je... Ah putain, en civette. Bah non, j'avais essayé proche tout à l'heure, oui, mais. J'avais essayé proche tout à l'heure. Ouais. Alors ton S, tu le referas parce qu'il est pas. Ah. Oui. Ouais. J'ai quoi? Porsche. Mais proche, mais non, ça ne va pas. Non, putain, chapeau. Arrête la drogue dure. Non, chapeau, c'est je sais pas lire. Quel enfer. Putain. Là, j'essaie de faire quelque chose de propre. Titre. Piti papa. Voilà, j'ai encore fait mon écriture de médecin. Quoi? Oh, tu cherches le truc là, là, ce truc là, là, là. Ah là. Ah. Eh, je te signale que depuis tout à l'heure j'ai la musique en tête. J'arrive pas à m'en débarrasser depuis que j'ai vu Bacchus Music. Alors, et que je chantonne. Oui, je suis quelqu'un d'influençable au niveau musical aujourd'hui. Alors nous allons faire ceci, ceci. Je sens que tout à l'heure je vais mettre Nyan 4 pendant une heure histoire d'être sûr de virer tout. Oh, je vis, putain de merde. J'avais marqué Polo, mais quand je vois le truc composé. Faut que j'aille chez Metal en même temps. C'est quoi ça? Ouais, non mais. Bravo. J'ai oublié comment ça s'écrivait ce machin. Bravo, tout ça. 600. 600. Eh oui. Bon, allez. Je me remets de la musique en tête parce que sinon je vais vous chantonner pendant toute la nuit. Hein. C'est pas très métal ça. Alors, si tu restes dans ton ton, j'ai des idées pour ça, mais. On dirait un micro pénis avec une grosse paire de couilles. Non, au départ, j'ai cru que c'était les boules de geisha. Là, on tire ça, c'est câble. Ça marche, Nico. À bientôt. Merci d'être passé, mec. C'est gentil. À bientôt. Des bisous, des bisous. Putain, mais j'y connais rien, moi. C'est compliqué pas la vie, hein, c'est pas compliqué. Ah. Oui. Oui. Oui, oui, oui. Si tu te demandes quel est le nom de cette chose, c'est un Saint-Honoré. D'accord. Pastafarisme, ah oui, alors non. J'ai faim. Non, Paris-Brest, j'ai fait. Pourquoi est-ce que tu dessines un pénis? Non, ouais, non, là...
pas. Qu'il est beau cet éclair, putain. Ah, oh, putain. Mais oui, encore pâtisserie. Une petite orthographe, Laurent, voyons. Histoire de changer. Ouais, on va passer à autre chose parce que Burn est vigilant, ça va 5 minutes, on passe à Coral. Petit chat. D'accord. Eh, attends, chapeau, elles sont géniales. Hein. En plus, il a de la chance, il a un pouce opposable aux autres doigts. Ouais, ouais, ça balèze. C'est un chat évolué pour ce métier. T'as encore 3 minutes. Allez. Trois minutes. Ah merde. Ouais, c'est à peu près ça. Wow, 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 wow. Oh pardon. C'est pas grave. Ah bah je sais que t'as tout claqué, salopard. T'as bien économisé juste pour ça, salopard de chapeau. Bravo. Ouais, y a qu'un vieux qui peut savoir ce que c'est, ça. J'ai connu, mais je regrette énormément, d'ailleurs. Tu sais que j'en ai un chez moi, Bambi. J'adore ça. C'est trop bon. Je t'enverrai une photo. J'ai perdu chapeau. Alors, tu tiens dans ta main l'évolution de ça. Oui. Voilà. Désolé, c'était... Voilà. Il est moche, vas-y, c'est toi qui es moche là. Il est moche, il est génial, il est super gaffé à la main de vie, hein. Comment est-ce que je vais faire ça, je suis un peu con. Mais non, t'es pas con. Putain, pff, mais non, mais je sais pas comment... Ah, Roncida, d'accord, wow. Tous les deux. Allez. Ah. Eh oui. Ouais, mais toi t'as le correcteur, donc forcément. Eh oui. Comment on fait sur le clavier cette merde? Alt 0156. Hein? Merde. C'est un 2, on est d'accord, bordel de 2. Oui, Alt 0156. Alt 0156. Merci Bambi. Pour faire le E dans l'eau. Bah tu m'apprends un truc. Ouais. D'accord. Ah, merci Bambi. T'es encore là Bambi ou quoi? Oui, okay. Je suis là, je fais des trucs de modération chez Metal en même temps. Ok, bah d'accord. Je saurai pour la prochaine fois. Oui, non, mais je vais faire aussi chez toi, mais faudra qu'on fasse ça juste après le stream. Ça marche, je sais pas de quoi tu parles, mais très bien. Ah, une bibite Putain, bien, y a quelque chose ce soir, hein. Non, Bambi, là... Il va falloir vraiment qu'on parle après le stream, là, parce que... Non, mais arrêtez, je suis RP, vous avez vu mon pseudo? Oui, d'accord, mais enfin, quand même, falloir qu'on parle là, après le stream, quoi. Là, ouais, non, je suis même... J'ai même presque envie qu'on se cotise pour t'offrir un petit jouet, là, ce stade, hein. Arrêtez, calmez-vous. Vraiment, ah, je suis très calme. Ah oui, alors, par contre, mais avoue, non, il est pas calme du tout, là. C'est direct, l'esclave, ouais, allez, hop, n'est-ce pas? Bah, j'ai pas... Quelqu'un attaché une laisse ou... Ouf, bon. C'est beau que tu trouves pas.
Alors, oui, non, mais. Ouais, les lunettes. Pour moi, le temps que je réfléchisse et que je me dise, non, retourne le sens de ce que tu veux dire. Oui, ça marche. Mais t'as une bonne bouille avec tes lunettes. Tu fais juste extrêmement peur parce que du coup, on voit bien que tu es quelqu'un habitué à foncer les sourcils. De quoi ? Pardon ? Je parlais à Brutal. Je disais, t'as une bonne bouille avec tes lunettes et ça se voit que t'es quelqu'un habitué à froncer les sourcils, donc tu fais un peu peur. Oui, bah c'est comme ça. C'est une vaginette. Ah ouais, du coup, je parle de sexe, direct, vous êtes parti sur... Ok. Enfin là, on dirait vraiment une vaginette, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qui que fait ? Oula. Non mais... Si tu... Quoi ? C'est bien, Charpo. Ne laisse-les tomber, ils ne comprennent pas ton art. Moi, j'ai compris. Là, j'ai du mal ce soir, Charpo. Je suis désolé, hein, d'habitude. Que quoi ? Ça passe tout seul, hein, mais là. Et qu'est-ce que ce truc ? Poc. Oui ? Pichenette ! Ah oui, c'est une main qui fait comme ça, d'accord. Ah ouais, ok. Ah bah alors hop, on y va. Allez. On va essayer de faire de l'art aussi, tiens. Très bien. Frappé de support. Ah. Hein ? Maintenant, on passe au plus gros. Merde, je voulais faire des je voulais faire des lasagnes et j'ai dessiné un banc. Oh. Merci chapeau, toi t'as compris au moins. Putain Bambi quoi. Voilà. C'est parti pour 56 quoi. Voilà, c'est un peu art déco là, hein, autant pour moi. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'ai envie de foutre un joueur du grenier dessus. Ah ! Putain ! Bordel ! Désolé, j'arrivais pas à le dessiner comme je voulais, j'y arrive pas. Non, bah, c'est... Mais du coup, t'as vraiment retiré tes lunettes ? Bah, regarde, oui. Et... Heureusement, je retire pas les miennes. Par contre, bon. juste, t'as bien regardé le message ou tu l'as pas regardé ? Le message ? Bah ouais. Les lunettes, quoi. Ouais, bah les lunettes, ouais. Ah, ça marche. Ça marche crème. Ah, putain ! Connasse ! Je suis gentille, je te le dis, j'aurais pu te laisser galérer pendant 10 minutes. Putain, mais c'est clair. Je suis adorable, hein. T'as vu ? Je te déteste. Putain, vivement que le stream se termine, là. Moi, je vais me faire virtuellement éclater la rondelle, les gars, je vous le dis tout de suite. Ça, c'est clair. S'il n'y a plus de modération chez Brutal Polo, ne vous posez pas de questions. chapeau, c'est pour toi. Laissez-moi dessiner par pitié, je vous en prie. Non, mais chapeau, il est en train de dessiner un chapeau, je te signale. Mais je voulais faire une belle de World Trade Center. Vous m'avez pas laissé faire, franchement, je suis dégoûté, je vous déteste. Hein. Ouais, mais ça, ah, désolé, mais non, quand je vois un plagiat de l'art de chapeau, je ne supporte pas. Ouais, non, c'est clair, il y a un petit peu d'abus quand même, Bambi. Hein. Tu m'as pas vu faire le petit bonhomme qui sautait des deux tours, etc. L'avion crachait, parce que j'avais prévu de faire tout ça. Non, mais là, il faut prendre un ban pour ça. Oui, c'est clair. C'est bien possible. N'importe quel tour, tout de suite. Je reconnais tout de suite. Bah, bon, t'as le mec, il se complique la vie, quoi. Ouais, non, mais j'ai... Qu'est ? Je me complique la vie là. Oui. D'accord. Voilà.
C'est ça. Complique-toi la vie. Ok. Ouais. Alors, hop. Planter le bâton. J'ai pas planté le bâton, ouais. Ouais, il était pas mal. Moi, je trouve que c'est simple. Ouais, ouais, planter le bâton, ouais. Bah, les skis, les bronzés font du ski. Il faut planter le bâton. Mais j'ai pas connu. J'aime pas les bronzés. Moi non plus, mais ça a traumatisé des générations entières, alors... Non, mais si c'était pas l'un, c'était l'autre, tous. Hein, forcément. Je suis encore dernier, moi, c'est chiant. Bon, corne, tu me mets de la bonne musique, cette fois. Hein. Je me suis mis une petite playlist corne, pour détendre. Ah, il met la meilleure. Ah, ah. Brutal, tu connais la bande originale de du film Spawn? Oh putain, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu ce film-là, bordel de merde. Je pourrais ah pas. Ouais, je c'est pourrais horreur, plus dire. Ouais, c'est horreur. Ouais. Je ne sais plus. On avait participé, hein. Freakonleash. Ouais, Freakonleash, ouais. Freakonleash, oh, génial. Le dessin, en plus, ils ont eu les auteurs du dessin animé pour faire leur titre. Et donc aussi les dessins du créateur de Spawn pour faire la... Ouais, c'est McFarlane. La pochette. Ouais, ah oh bah putain, ouais, qui c'est... Voilà. J'ai faim. Oh. Attendez, je vais vous aider. Oh putain, on est vraiment des gros dégueulasses. Éthiopie, Somalie, Éthiopie, quoi. Oui, j'ai mal marqué encore. Oui. Putain, quelle horreur. Si je me fais ban, ce sera entièrement de ta faute, hein, tu le sais. Oui, c'est mes volontaires. Par contre, Madagascar, c'est bien plus au sud. Déjà ta chatte, pour commencer. De quoi? Déjà ta chatte, pour commencer. Ma chatte? Ouais. D'accord, ok, très bien. Oula, cocktail. Cocktail. J'écris trop vite. Oh, et puis merde, hein. Glou. Hey, tu retentes le coup, Bambi, en plus. Igloo. Attends. Ah oui, tout simplement. Hein? Oui, oui. Mais non, mais je suis pour moi. Oh, pourquoi je cherche un minute, hein? Je sais bien. Écoute. Alors je change rien. Si t'as trouvé Brutal, c'est que tout le monde peut trouver. Chapeau à trouver aussi. Ah non, Bambi, elle y arrivera pas ce soir. C'est pas assez sexuel. Ah. Quoi que. Alors, désolé, c'est sorti tout seul. Super mauvaise langue. Non, là par contre, j'ai été salaud. Je suis désolé. C'est sorti tout seul. Titre. Aïe. Voilà, je me suis auto-baffé. Ah non, c'est faire un auto-daffé, autant pour moi. Mais c'est pareil.
J'ai été méchant, j'en suis désolé. Monte, bien sûr, chapeau. Alors, qu'est-ce que je vais mettre là-dessus On va dire ça. Ensuite. Ça. Ça m'étonne pas, toi, tiens, Bambi. Bravo c'est à tous! Pac-Man, c'est pizza! Ah non, Pac-Man, là, c'est Pac-Man qui a la vérole, là. Ouais, je pense ça aussi. Streamer à la con, non mais là, putain de bordel là, de merde. Tiens, voilà, bon ça. Alors. Hop, ensuite. C'est un gland. Ensuite. Ouh. Alors. Ça ressemble de plus en plus à un gland. Non, c'est le truc ça. Il dessine bien là. C'est pas un chat, mais c'est pas loin. J'ai une bestiole. Mais vous avez vu le nombre de lettres à deviner ou pas? Ouais, non, mais je balance des conneries, moi, tout à l'heure. C'est l'animal qui lui a donné naissance. Que ouais. Terrifiant. Cet animal existe pour de vrai et il est magnifique. C'est juste que je ne lui rends pas justice. Waouh, putain. Alors là, d'un coup, j'avais envie de mettre. J'avais envie de mettre tout autre chose, mais sans être méchant, hein, j'allais foutre la bestiole dans. De. Comment ça s'appelle de Miyazaki, là. De... Hein l'espèce de cerf humanoïde. Ouais. De Princesse Mononoke. En bref, il a plein de traces comme ça sur le corps, mais je pense que vous connaissez pas cet animal. Ah, le marsupilami. L'animal qui lui a donné naissance, c'est le serval en fait. Donc j'essaie de dessiner. Ah oui, le serval, d'accord, ok. Ouais, t'aurais fait un espèce de grosse boule de poil jaune et noir avec une longue queue. C'est exactement ce qu'est un serval, et c'est très très beau un serval, c'est vraiment magnifique. Si vous avez l'occasion de taper en recherche Google serval, ouais, tu m'avais montré, ouais. Quoi? Putain, Zorglub, ouais, c'est la bonne référence de Boomer aussi, ça. Hein. De quoi? Tu connais pas Spirou? Mais si, je connais. Ah, voilà, ça aurait pu être Zorg. Champignac, tout ça. Putain, c'est quoi ce truc? Ça me dit quelque chose? Jean-Baptiste, Emmanuel, Zorg. Opel, ah ouais, putain, d'accord. Ah ouais, non, mais putain, on est loin, là. Ah ouais, non, mais moi, il est bagnole, putain. Aïe, 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 c'est compliqué. C'est enfin, mignon, si tu veux, j'ai une Toyota Yaris, voilà, ça prouve. Anecdote, c'est... Ouais, le serval, c'est magnifique. C'est un des plus beaux animaux du monde. Anecdote, s'il y a un Z pour Opel, c'est parce qu'avant, le nom de la marque, c'était Zopel. Mm-hmm. Et pourquoi est-ce qu'ils ont changé? Je sais pas, mais ils ont gardé le logo. Oh bah tu sais, des fois, ils changent pour simplement plaire à un pays. Comme AXA qui a changé au Japon, parce que AXA ressemblait assez au mot puer. On peut dire que puant, je crois. De tête. D'accord, chapeau. J'étais obligé de l'avoir, c'était oui. Obligé. Bah oui. Ah, t'es obligé, c'est un peu. Voilà quoi, Bambi. Voilà. Quand t'es sage. Bon, tu vas pas me faire forcer, chapeau, tu vas pas me forcer. Ah, c'est une hypothèse, d'accord. D'accord. Tu vas pas me forcer à mettre Hercule qui lui fout une pâtée quand même là.
Sagittaire, chapeau Sagittaire. Chiron. Encore, oui. Chiron. Chevalier du Zodiac. Ah non, merde, c'est pas de ta génération, ça faisait plus de la mienne, brutal. Toi, non, regardez ça, hein, les Cités d'Or, ça passait quand j'étais gamine. Hein. Ouais, les Cités d'Or, oui, ça a pas changé. Cités d'Or, meilleur dessin animé ever. Oh, et ils ont... on a quand même attendu 20 ans qu'ils fassent ça. Le cœur et le ciel. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit. Désolé. Avec tous tes meilleurs amis, à bord du grand comble, tu recherches les cités d'or. Et c'est ainsi là, t'as oublié les cités d'or. Mais génial, génial. J'ai pas trouvé. Et c'est ainsi là, t'as oublié les cités d'or. Bonnet de natation. L'aventure t'appelle, n'attends pas les cours d'elle. Ouais, je suis trop en mode rétro là, putain. Aïe aïe aïe. On avait des génériques géniaux quand même dans les années 80. Ah, j'en ai deux qui se rejoignent bien là. Je vous le dirai après ce que j'avais comme autre option. Non, je continue. C'est vrai que là. Putain. This is the Père of Nichon. Ça, c'est un travesti, hein, c'est pas possible. Quand tu vois la gueule. Ou alors, c'est Emmanuel Béart. Désolé. Non, possible. Ou Lana Del Rey, ça marche aussi. Ah, je vois qu'il y en a qui ont des belles rêves. Ok. Non, on dit un brésilienne et une brésilien, s'il te plaît. Non, c'est pas ça. Désolé. Mais ça me tue à chaque fois ce truc. Il l'a. Joli. J'en peux plus. Quoi, la tapine, le deuxième mot que j'aurais proposé, c'était client. Ah oui, bon. Ouais. J'avais pas le choix là. Oh là là. Oh, elle est horrible. Vos chapeaux relèvent le niveau là, s'il te plaît. Quoi, le niveau, il est très bien, mon niveau. Oh non, mais là... Mais j'ai été plus rapide. Putain, du coup, je vais citer d'or dans la tête, maintenant, bravo. Ah, c'est ta faute, hein. Enfin, désolé. Si tu me fais chier, je te mets 4 size. T'arriveras pas à me dire les cités d'or. C'est Amtaro et les cités d'or, une fois que je les ai, ils me lâchent plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Cherche ton chemin. Satan. Elle est géniale, hein. Alors. Qu'est? D'accord. Restez pas si bien. T'as pas les cités d'or. Tu devrais faire un petit doigt en forme de bite avec un petit sourire à côté. Oui, lui. Ça, oui, ça, lui. Ça marche mieux quand on fait un petit doigt en forme de bite. Bah oui, bien sûr. Quel con. Pourquoi je suis resté sur l'idée de. Oui, non, mais fou, oh là là. Allez, non, mais putain. Tiens, bah hop, on va en faire une simple. Hein. Voilà, hop. Bon, on va faire.
Même la simple, il arrive à la foirer, putain. Même quoi? Même la simple, il arrive à la foirer. Quoi? Hop, stylo, merci. Voilà, tac. Quoi? Yes, tac, tac, et un gros truc. Quoi? Bon, désolé, chaque fois j'oublie que la plus générale. Au vent des landes de pierre. Oh putain, Jacques du Connemara. Elle est bien, hein? Pour les vivants, un peu, le Connemara. Des nuages noirs. Mais en plus avec une voix de voilà, et elle nous fait sa petite voix encore, donc c'est mon balcon. Bien joué, Bambi. Ah, tu t'es foiré. T'as raté mon balcon. J'ai raté. Un chapeau. Un chapeau. Il a la même réaction. Il a mis clic, je crois. Oh, quel enfer! Re-chapeau! Ah, chapeau, il s'est passé! Allô? Bonjour! À l'huile! On t'entend toujours pas, hein, mais je pense que toi tu nous entends, logiquement. Oh là là, j'ai quel marqué danseuse, mais ça le fait pas. Le bon bidon. Ouais, c'est le chic. J'entends rien. Ah, tu nous entends pas? Ah bah alors là, pour le coup, on n'y peut rien. Chapeau. Ouais. On est d'accord qu'on s'entend tous encore là. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Bon. Bah, je ne sais pas. C'est pas une échographie déjà. La merde. Quoi? Pour moi, c'est Worms ce que tu viens de me faire. Re-chapeau. Non, là, j'avoue que je. 1, 2, 3. 1, 2, 3, un petit chat, 3, et un petit mignon. D'accord, oui, pas mal, oui, d'accord. Okay. Ah, joli, joli, joli. Oh la vache. Bon, on va faire celui-là, hein. C'est bon, chapeau, tu nous entends en fait ou pas? Voilà. Quoi? Bah, ah, ouais, d'accord, hein. Bah, oui, mais non. Enfin, bah voilà non, quoi. Non, pardon. Il y en a une autre. Non, ah, mais non. Mais oui, sinon, mais non. Ah, chapeau, c'est un festival. Ouais, deux. Fois 2, au pluriel, bordel. Cinéma, quoi? Non, c'est effectivement un festival de cinéma, mais ça porte un nom de précis, voilà. La fastidio. Ouais, j'ai essayé de faire Chaplin au passage, alors j'ai pas réussi. Ah ouais, d'accord, oula. Le gars qui cherche à se rattraper un peu aux branches, là, non, excusez. Mais putain, c'est... Pomme, hein. Une pomme. Ah oui, si c'est pas l'un, c'est l'autre.
Elle va pas bien, votre pomme. Mmh. Moi, je vous le dis tout de suite. Hein. Ouais, tout de suite, bien. Là. Excellent. Tout niqué. Eh bien, écoutez, c'était pas mal, tout ça. Ouais. Ouais. Allez, petite fin de stream, il est minuit, très bien. Ouais, il est minuit. Ah, on rentre à la fin de stream, putain de sauvage de merde. Quoi? Mais oui, non, mais c'est bon, j'ai cliqué sur rien, calme-toi. De toute façon, il n'y a plus personne, Bambi, alors... Tu es comme un sauvage à chaque fois, putain, laisse-moi faire mes courses. Bambi, on n'est plus que deux à être connectés, toi et moi. Voilà, c'est ça, donc... Je m'en prends, tout ça, j'ai des commandes de modération à faire, là, qui me cassent pas le cul pour faire... Est-ce que tu as d'autres commandes de modération? Oui, j'en ai une. Allez, vas-y, pour le personne qui regarde, vas-y. Ta gueule, putain, Polo, formidable. Bah écoute, j'en mets une petite couche de ta gueule, Minou, voilà. Allez, au revoir le stream.